On est à la dune du Pilat, on est au pied, donc on commence notre périple. Je vous présente, bonjour Thibaut. Je te présente ma cousine qui s'appelle... Mais tu vas dire ? Lauriana, et en fait, pourquoi on est là, Lauriana ? Vas-y, explique-nous. Je vais enfin visiter les dunes du Pilat. Voilà, elle vient du Midi de la France et elle m'a dit j'ai un rêve, c'est aller à la dune du Pilat. Salut, salut, bienvenue dans ce périscope. Voilà, donc on va monter là-haut. Et donc, ce que j'avais envie de partager avec vous, ce moment, juste pour vous dire qu'il est bon de passer du temps avec ceux qu'on aime. Voilà, là, ma cousine que j'adore. Et on va passer la semaine ensemble. Merci de m'envoyer des petits cœurs. Voilà, tapotez vos petits écrans pour m'envoyer des petits cœurs. Je trouve ça génial. Et là, on est en direct avec vous, en train de grimper la dune du Pilat. Voilà, Lauriana, pour toi, c'est la première fois que tu vois un périscope. C'est ça. Et tu reçois plein de cœurs, t'as vu ? Waouh, merci. Donc, alors, je vais retourner l'écran pour que vous puissiez voir. Bonjour à tous ceux qui rejoignent ce périscope. Water ou what else, je ne sais pas. Bonjour à tous ceux qui rejoignent ce périscope. Alors là, je suis déjà essoufflé, voilà. On est en train de monter la dune du Pilat. Et je vous montre ma cousine parce qu'elle en vaut la peine. Voilà. Et donc, quand j'ai l'habitude de faire des messages inspirants d'où je suis, je me suis dit que ceci était bien représentatif de ce que la vie peut être. C'est que la vie, c'est un parcours. La vie, c'est parfois comme un escalier. On monte les échelons. Et parfois, on avance et on se fatigue, comme moi. Pas comme toi. Et de temps en temps, il est bon de regarder en arrière pour voir le chemin que nous avons parcouru. Et ceci forme un message métaphorique de la vie. C'est que la vie est faite d'objectifs qui sont parfois loin, mais qu'il est important aussi de réaliser ces objectifs marche après marche, de développer des sous-objectifs qui nous permettent d'arriver à l'objectif final. Et c'est en cela que réside mon message inspirant du jour et transpirant. Et parfois, arriver à ces objectifs, ça coûte beaucoup, beaucoup d'énergie, comme là, vous voyez. C'est dur, parce que c'est haut. Mais regardez, quand on arrive en haut, la récompense est merveilleuse. Il y a beaucoup de vent, malheureusement. Bienvenue à tous ceux qui rejoignent ce périscope. Donc voilà. Et quand on atteint son objectif, comme dans la vie, la récompense est merveilleuse. N'oubliez pas cette métaphore. C'est quand vous avez des objectifs, n'oubliez jamais de viser marche après marche, échelon après échelon. Contemplation, comme tu dis très justement, c'est très juste, contemplation. Voilà, donc si vous aimez ces images et ces messages, tapotez votre écran pour m'envoyer des petits cœurs d'encouragement. Et ma cousine vit ici un rêve, et ça aussi c'est exceptionnel. C'est de pouvoir aider quelqu'un de façon très simple à réaliser un rêve. Ma cousine est à la dune du Pilat. Elle avait rêvé d'y être, elle y est. Et je vous fais profiter de cet instant intime et émouvant. L'objectif est réalisé. Et le plaisir d'y être, même si la fatigue est présente, il y est. Alors, il n'y a pas beaucoup de vent, j'espère que vous m'entendez encore. Oh, tu cours en plus! Moi, je suis mort! Est-ce que vous entendez encore bien? Vas-y, pas de regret, vas-y. Non, mais moi? Hein? Non, mais je te garde ton sac. Non. Mais viens, je te garde ton sac, vas-y, cours. On va courir comme eux, là? Tous les deux. Ah, bon, on y va, alors. Oh, pétard. Mais qu'est-ce que tu me fais faire, toi? Je vais tomber. Mais toi aussi, tu vas tomber, tiens. Bon, ben j'arrive alors. Oh pétard. On va
va tomber. Enfin, je vais tomber. Oh, oh, punaise. Non, pas tant que ça, non. Allez, tu veux courir la dune depuis là? Ouais. Bon, je filme tout au cas où, hein. Ah ouais, c'est fini. Allez, allez toi. On y va. Et toi? Comment moi? Allez. Allez, on y va. On n'est pas tombé, on n'est pas tombé. Trop bien, trop bien. C'est plus marrant si on tombe. Ouais. Oui. Mais bon, là, le sac. Enfin, pour ceux qui regardent. Voilà, voilà, super famille, donc on est dans la famille. Et Lauriane qui a tout regrimpé, tout redémarré, etc. Jusque là-bas. Je suis parti pour le hard. Bah, au moins on tombe dessus. Je cours, j'arrête pas. Ah, ah la punaise. J'ai 3 tonnes de sable dans les godasses. C'est clair. C'est mieux, hein, à vous. Ça va, pas de regret. Non. C'est vrai, c'était marrant, hein. On y retourne? Non, ça va, 2 fois, ça suffit. Feignasse. Mais oui, non.